de ces cristaux? J'arrive pas à le mettre. Ah non, t'es pas déshabillé quand même. Non, je mets juste comme ça. Vas-y, monte-toi à l'écran, comme ça ils vont te voir. Bonjour tout le monde. Et tu dis, c'est Kira? C'est Kira. Comme ça, quand on veut. Moi j'ai la chance d'avoir un t-shirt capuche, je sais pas si vous connaissez un peu, ça c'est un peu à la mode maintenant. Mais en plus on voit à travers un peu, ouais, vite fait. Donc c'est bien là? Ouais. Donc tu restes dans la vidéo comme ça, hein. C'est un défi, hein. Tu restes tout le temps comme ça avec ta... Non mais c'est que ça tient pas. Ça tient pas? Et donc aujourd'hui on va parler de quoi exactement? D'une voiture Jaguar. D'une voiture Jaguar, elle a tout à fait raison. En fait, c'est un concept à réalité virtuelle qui a été démontré, enfin, il y a une démonstration par la grosse compagnie, bien sûr, de voiture Jaguar. Donc, je vous montrerai dans la description le lien d'une vidéo. Et c'est très surprenant, puisqu'ils sont en train de montrer, en fait, une technologie du futur d'environ une dizaine d'années. Donc, bien sûr, va falloir bien attendre. Et en gros, ça sera une assistance à la conduite. C'est-à-dire que votre pare-brise sera complètement tactile. Et enfin pas tactile, en fait il y aura une sorte de, enfin c'est ce que c'est un peu le pare-brise de la voiture. Tu vois quand papa y conduit, bah il y a la vitre devant. Et ben en fait si tu veux, bien il y aura plein d'informations qui apparaîtra sur le pare-brise. Ça sera une sorte de virtualisation carrément intégrée sur le pare-brise, une sorte de télévision un peu entre guillemets, qui sera directement accompagnée. Ben en fait ce sera de l'électronique embarquée dans le véhicule. Et ça risque d'être super intéressant là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il y aura comme information? Je vous conseille vraiment de looker cette vidéo dans la description parce que vous allez vraiment comprendre. Elle vous montrera, donc en gros sur le pare-brise, ça vous montrera des infos au niveau des obstacles, enfin surtout des infos au niveau de la météo, par exemple s'il va pleuvoir, des trucs comme ça. Au niveau des obstacles, par exemple si vous avez un petit pot qui va arriver ou je sais pas, un véhicule en face, bah, vous allez mieux le voir en fait, il va vraiment vous montrer sur l'écran, enfin sur l'écran, sur le pare-brise, au niveau de votre vitesse de votre véhicule, si vous dépassez la limitation de vitesse, ou alors si voilà, vous n'êtes pas assez rapide, ou alors voilà, vous pouvez voir aussi normalement la vitesse des autres véhicules. Enfin, c'est vraiment complet. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment badé. En fait, c'est une interface de conduite. Ça fait bizarre de dire ça parce que c'est pas réellement un écran. C'est le pare-brise qui accompagnera une sorte de concept à réalité augmentée. En gros, une interface de conduite qui sera intégrée dans le véhicule. Et je vous conseille vraiment de regarder dans la description cette fameuse vidéo proposée par Jaguar. Qui mettent en œuvre en fait un peu bah déjà cette technologie là, sachant qu'elle apparaîtra pas tout de suite, ça sera dans une dizaine d'années, donc il y aura largement le temps. Oui? Oui. En plus je crois qu'on te voit pas, attends parce que j'ai reçu un message. On te voit bien là? Et donc toi qu'est-ce que t'en penses toi? T'imagines un peu la voiture qui a un truc sur l'écran et ça. T'imagines un peu comme une télévision, une télé. T'imagines, ça serait bien hein. Une télé un peu et tu peux voir un peu combien tu roules, bon tu t'en fiches un peu, tu imagines la télé qui apparaît ou des trucs comme ça, des flash infos, imaginez un peu des flash infos dans le futur. Ça existe pas les télés sur les voitures. Non, ça existe pas, mais ça existera par Jaguar d'ici peu de temps. C'est pas vraiment une télé, on appelle ça un concept à réalité augmentée. T'as compris? Non. Regarde. Non. Bon, bah merci beaucoup les gens, qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo? Qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo? On dit quoi? On dit merci de mettre un petit... Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Bah c'est déjà bien, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Merci de me suivre sur ma... Merci de me suivre sur ma... Page. Page. Facebook. Facebook. Facebook, oui, comme ça on peut dire. Et là on dit quoi? On dit peace. Peace, comme je dis en fin de vidéo à chaque fois. C'est la... Réfléchis, tu réfléchis. Qu'est-ce que je dis en fin de vidéo? Je dis ciao ciao, peace. Peace out. Fais comme ça, ciao ciao, peace out. Ciao ciao, peace out. Il te fait comme ça. Encore. Pizza. Pizza.